Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hier j'ai fait une vidéo concernant comment faut faire son masque avec son foulard. Et j'avais pas fait de test de flamme, c'est-à-dire que j'avais pas allumé une bougie ou une boîte d'allumettes pour essayer de voir est-ce que le masque il est conforme ou il n'est pas conforme. Donc on va essayer de tester ensemble et puis on verra. Et puis si c'est bon, c'est que vous allez pouvoir faire ça chez vous, surtout les dames, avant de sortir. Sans vous fatiguer. D'accord? Ok. On va tester. Déjà, avant de commencer, on va essayer de se désinfecter les mains. C'est important. On va déjà déposer, notre foulard. Et puis, on va se désinfecter les mains. Ça, il faut toujours le faire avant de sortir, quand vous rentrez chez vous. Il faut le faire. Il faut, si vous pouvez, vous acheter. Le petit pot là, vous le mettez dans votre sac ou dans votre poche et vous vous baladez avec. D'accord? C'est très important. Voilà, donc ça c'est fait. On va prendre un paquet de Lotus, sans faire de publicité bien sûr. On va prendre une feuille là-dedans et on va placer notre Lotus bien au milieu. Okay? Et on va renverser le foulard. Ensuite, comme hier, voilà. Le tissu est bien au milieu. Donc, voilà. Soit vous le faites comme ça, ok, pour sortir. Soit comme je l'ai fait hier, on va l'attacher. En coiffure par derrière. D'accord? On attache par derrière, c'est pour les femmes. Voilà. Bien. Et là, on va tester. Ok? On va tester avec une bougie pour voir si c'est bon ou pas. Allez, c'est parti. Voilà, on l'a testé ensemble. Je pense que c'est bon. On peut juste finir notre masque à la maison pour pouvoir sortir. Donc, comme je l'ai dit, avant de faire son masque, il faut son gel main, bien sûr, pour essayer de se désinfecter les mains. Ensuite, on prend un paquet de Lotus, on prend juste une feuille dedans, on met à l'intérieur du foulard et on le met pour sortir. Quand on a quelque part qu'on n'a pas besoin de foulard, ben, on enlève tout simplement le foulard. Enfin, oui, on enlève son masque. Et puis, voilà ce que ça donne. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Et que Dieu veille sur vous.